Une rivière de lave menace le village de Paoa sur la grande île d'Hawaï. Ce flot, dont la température avoisine les 900 degrés Celsius, avance vers ce village depuis des semaines et menace désormais des habitations ainsi qu'une autoroute empruntée par 10 000 véhicules par jour. Déversée par le volcan Kilauea, entrée en éruption fin juin, cette coulée de lave avance de 10 mètres à l'heure. I think it's pretty scary. C'est assez effrayant. L'angoisse monte de jour en jour. C'est comme une lente torture. Ça accélère et ça ralentit. 800 personnes habitent Paoa. Les autorités ont demandé à une cinquantaine de foyers de se tenir prêts à partir à n'importe quel moment. C'est surréaliste. Surréaliste. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, enfant, je n'aurais imaginé devoir m'enfuir pour échapper à la lave. En septembre, la rivière de lave s'était pétrifiée, puis le flot a repris, dévorant tout sur son passage, sur au moins 80 mètres de large.